Vite, donne-moi l'appareil. Oh, ouais. Sans ça, ta mère ne va jamais nous croire. Salut, Teria. Savez-vous où je pourrais trouver une ou deux boîtes de Rico? Comment ça va, qui de combustible? Servir au point. Attention, et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5, 6. Retirez. Ah. On dirait que ton bâton a besoin d'un petit remontant. Mademoiselle Ordi, vous la gentillesse de m'accorder cette danse. La volonté, ouvrez grand la bouche. Du calme, les amis, n'ayez pas peur. Je vais me présenter. Je suis Casper le Gentil. Oh, bon travail, les enfants. Et maintenant, qu'est-ce que vous diriez d'aller vous reposer? Tu veux dire qu'on devrait aller reposer en paix? Non, on va prendre des vacances. C'est la première fois qu'on prend des vacances. Justement, il est grand temps, on a bien mérité ça tous les trois. Tu veux dire tous les quatre, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Mais bien sûr, petite tête d'oreiller, pas question de partir sans toi. Sinon, qui va porter nos bagages? C'est très drôle. Vous êtes bien chez Desmond Spellman. Bonjour, ici l'Association internationale d'aide aux orphelins. Nous en appelons à votre cœur et à votre générosité. Oracle du miroir, j'ai besoin de tes services. Vous m'avez demandé. Ne prends pas ce ton avec moi, Oracle. Tu es un esclave du miroir, et ce miroir appartient au plus grand de tous les sorciers. Moi. Oui, maître. Commandez et j'oublie. J'aime mieux ça. Donne-moi les cours de la bourse, les prévisions pour aujourd'hui et le classement des sorciers. Voici les nouvelles. Le ciel est dégagé. 2 points, la bourse a augmenté. Depuis des années, votre grandeur est inégalée, mais à partir d'aujourd'hui, à votre place, je me méfierai. Pardon? Qui peut bien égaler le grand Desmond Spellman? Wendy Who, la gentille petite sorcière. Une gentille sorcière? Est-ce que tu te fiches de moi? Qu'importe ce que vous croyez, je vous aurais prévenu. Agissez dès maintenant ou vous serez perdu. Tu veux rire, ce n'est qu'une gamine. Et tu prétends qu'elle est vraiment dangereuse. Elle est jeune, en effet. Mais elle va changer grâce à l'aide d'un ami. On ne peut plus inattendu. Si la sorcière et le fantôme deviennent des alliés, elle sera la plus grande et vous, mon vieux, vous serez fichu. Ça suffit, miroir à double face. Tu ne me fais pas peur. Maintenant,
Dis-moi comment je peux me débarrasser de cette petite face d'ange. Justement, cher maître, j'ai la solution radicale. Prenez garde aux abîmes de l'enfer. Humain, immortel ou sorcière, si vous franchissez cette porte, vous deviendrez poussière. Magnifique. T'as l'air en forme, Jules. Bien content de te voir. Écoutez, tous les deux, allez à cette adresse et ramenez-moi cette gamine. Elle vit à la campagne avec ses tantes. J'espère qu'elle aime le camping. Et sachez que je ne tolérerai aucune bavure. Allez-vous être à la hauteur? Aucune crainte. Midi. C'est vrai, il sera bientôt là. Où est-ce que j'ai bien pu le cacher? Ah, ça y est, je me souviens. Merci. Voilà. Zut, mon pyjama. Wendy est dans le jardin. Oh, ne m'embête pas. Allez, va reprendre ton poste. D'accord, d'accord. J'aime bien faire de la bonne cuisine. Maintenant, as-tu mis assez de Belladonna? En parlant de Belladonna, j'ai connu une fille qui s'appelait Donna. Elle avait deux enfants qui l'appelaient Mamadonna. Tu saisis, Mamadonna? J'ai compris, d'accord. Fanny, fais-nous ton rapport. Chut, je surveille l'arrivée du gamin. Je l'avais presque oublié. Et alors? Et alors quoi? L'as-tu repéré? Qui? Le livreur de journaux, le gamin. Tu as oublié? C'est vrai, lui. Heureusement que tu me l'as rappelé. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des sœurs aussi nouilles que ça? Voyons, souviens-toi, tu as inventé les poux, la mauvaise haleine du matin, l'urticaire. Salut. Salut. Ça y est, il est arrivé. Dépêche-toi, oh, allons-y. C'est le moment. Merci. Ah, bon, viens-t-il y.
et tire-le. J'espère que t'aimes les fruits pourris. D'être mauvaise. Ah, des folles. Vous êtes toutes des folles. C'est pas étonnant que j'ai pas d'amis. Qu'est-ce qui vous a pris? J'en avais assez, c'est tout. La façon de lancer le journal me déplaise. T'avais qu'à lui dire d'abord. Je t'en prie, chérie. Vois ça avec ton balai, car pour nous, la question est réglée. Mais je... Combien de fois faudra-t-il te le redire, Wendy, mon chou? On n'est pas des anges. Quand te mettras-tu dans la tête qu'on est des sorcières? Y a rien à expliquer. Notre rôle, c'est de tourmenter les autres. Tu me donnes une idée. Tu penses que tu peux tout te permettre? Mais vous m'aimez quand même, hein? On n'a pas à t'aimer, tu fais partie de la famille. Et la famille, on peut pas la choisir. Ne vous inquiétez pas, mesdames, nous allons nous en charger. Débarrassez-moi vite le plancher ou je vous transforme en grenouille. Oh! Notre employeur Desmond Spellman nous a dit que vous n'y verriez aucun inconvénient. Desmond Spellman? Avez-vous des problèmes d'élocution? Est-ce que vous êtes en train de vous payer ma tête? Laissez-la, espèce de vieux crapaud! Ah! Allez, je te parie 500 points que je descends la petite en premier. Attention, je double la mise! C'est la fin, tu es coincé. Wendy, quelle mauvaise hôtesse tu es. Vous allez vous sentir comme chez vous. Je vais arranger ça. De toutes les sorcières, on est tombé sur la seule qui ait le sens de l'humour. Dépêche-toi. Oh, oh, nos amis se préparent à sortir. Là, je crois qu'il est temps qu'on décolle. Alors, qu'est-ce que t'attends? Attends ton balai. C'est vrai. Hé, hey, vous vous interdit de quitter les rues. Comptez là-dessus, mes chéris. Partons. Tu veux plus que je t'attrape. Je nous ai tirés d'affaire, encore une fois. Tu nous as tirés d'affaire, qu'est-ce qu'elle voulait faire de Wendy? Elle seule le sait. Je les connais même pas, j'en sais rien. Ce sont deux grosses brutes envoyées par Desmond Spellman. C'est qui, ça? C'est très simple, c'est un monstre. Est-ce que tu vois dans quoi tu nous as entraînés? Elle a raison, Wendy, tout ça est ta faute. Je serais gênée à ta place. Waouh, regardez un peu ça. Demain, ce qu'on n'est pas réservé, c'est pas grave, on va s'arranger. Oh, je sens mon ectoplasme qui se détend déjà. J'ai l'impression qu'on va passer de sacrées vacances. Il s'imagine sans doute que j'étais un chien traînant dans une autre vie. Alors, tu t'amènes, espèce de lambin? Chérie, chérie, quelle lune de miel. Je sens que ça va être inoubliable. Oh, voyons, tu mérites qu'il y a mieux, mon ange. Oh. Hé, hey, dis donc, c'est pas mal du tout ici. Oh, Noël, t'as raison, et en plus, il y a personne. Vite, dépêchez-vous de sortir de là, cette chambre est occupée. Occupée? C'est drôle, je ne vois personne. Et vous?
Merci pour votre hospitalité, à la prochaine. Là, alors vraiment, vous exagérez. Il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous, Casper. Parle, nous t'écoutons. Eh bien voilà, je pensais que vous pourriez peut-être essayer d'être un peu plus gentil. Excellente suggestion, Casper. Et maintenant, en notre nom à tous, je vais te donner un petit conseil. Fiche le camp! Ceux qui sont charnus sont les charnus qui ont la trouille. Pourquoi c'est si amusant? C'est parce qu'ils peuvent rien contre nous, pardi. Enfin, à part les sorcières. Qu'est-ce qu'ils ont plus que les autres? On n'a rien appris à l'école des fantômes. Les sorcières sont des charnues avec des pouvoirs spéciaux. Ouais. Assez discuté, Minus. Il est temps que t'ailles chercher nos valises. C'est toujours la même chose. Quelle bande de vieux grincheux. Ah, c'est ça la vraie vie de fantôme. Des sorcières. Salut tout le monde, je m'appelle Larry, je suis votre animateur en chef et je suis ici pour... comment ça va? Je vois, ils sont pressés. Vous connaissez celle du toit? Non, ça vous passe par-dessus la tête. Et surtout, n'oubliez pas le concours de tir. Est-ce qu'on nous a suivis? Non, on est hors de danger. Es-tu sûr que ce soit une bonne cachette? Oui, Desmond ne viendra jamais nous chercher ici. Mesdames, je m'appelle Larry, je suis à votre disposition. C'est très gentil. Regardez, ce trou respire tellement la joie de vivre, c'en est dégoûtant. Et en plus, on est à des kilomètres de tout. Il n'y a personne qui va nous remarquer. Tu as raison. Dites, je vous trouve tantinée trop vieille pour jouer les sorcières. Excusez-moi. C'est pas vrai, regardez-moi ces chapeaux ridicules. Quel garçon. Il me dit. Arrêtez, on va se faire repérer. Venez les filles. Bonjour mon chou, un pavillon pour quatre, mais avec une chambre en plus, au cas où on inviterait une autre personne. Je suis désolé mesdames, mais je viens de louer mon dernier pavillon à cette dame. Ça veut dire que vous n'avez plus rien de vaquille, plus rien de vaquin. Donc vous n'avez plus de chambre. Rien jusqu'à ce que cette dame se décide à partir. Tante Gertrude, non, attends, non, allez, non, allez, non, 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 changer d'habit, je m'en vais. Voici ma clé. Je déteste le crottin de chèvre. Portière, porteur, les bagages de ces dames. Vous savez, les filles, cette vieille bique avait raison. Il faudrait qu'on soit un peu plus discrète. Garde-robe, s'il vous plaît. Autrement, on te repère comme une verrue sur le menton. Tu ferais bien te cacher. Attends. Salut, je m'appelle Josh. T'as peut-être entendu parler de moi. Je m'appelle Wendy. Quand es-tu arrivée? Ça va faire une semaine. Et c'est chouette? Non, c'est pas terrible. Mais ça risque de changer. Maintenant, écoute-moi bien. Desmond Spellman en a après toi. Et par la même occasion, après nous. C'est pour ça que je t'interdis de quitter cette chambre jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen de le réduire en bouillie. De la bouillie. Mais pourquoi est-ce qu'on fuit devant ce Desmond à la noix? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le confronter? Je préférerais aller confronter une bombe atomique. Écoute-moi, petite tête. C'est un être diabolique et très dangereux.
Non, non, n'aie crainte, ce n'est pas une gamine en culotte courte qui va réussir à me faire peur. Vas-y, tu m'en donnes l'eau à la bouche. Non, c'est pas sorcier, tu prends quelques patates que tu mélanges avec de la viande déjà cuite et voilà, tu vas t'en hacher par moitié. Où étiez-vous passé? Voilà, on s'est arrêté pour manger un morceau et il y avait du hachis. Et où est Wendy? Elle nous a filé entre les doigts. Bien, dans ce cas, je vais déclencher le plan B. Observez bien. Dès que ces sorcières sans cervelle vont se mettre à pratiquer de la magie de haut calibre, cette merveilleuse petite machine me transmettra tout de suite leur emplacement. Alors regardez! Et quel genre de patate tu utilises? Souvent, j'utilise une variété que... Regardez! C'est bizarre, il y a comme une odeur de pourri par ici. Enfin, il est grand temps que tu le remarques. Ce n'était pas très gentil. Merci. Tiens le droit pendant que je le remplis. Je te garantis qu'on va sécher les babines. C'est ça, attention à Casper, le dévaliseur de buffet. Arrête de gémir ou tu seras privé de dessert. Allez, casse-pied, ferme ton bec et emporte la bouffe. Joli, c'en est écœurant. Oui, tout ces tissus fleuris partout, c'est horrible pour les sinus. Si on faisait quelques petits changements. Tu nous donnes un coup de main, microbe, ou tu continues à taper sur ton clavier? Donne-moi le nom d'une de tes potions secrètes, je vais voir si elle est déjà sur Internet. Si elle y est, ce serait plutôt rigolo. Très drôle. Pour votre information, je mène une enquête sur Desmond Spellman sur Internet et peut-être, je dis bien peut-être, que je vais trouver quelque chose. Tu sais, moi aussi, je peux anticiper les réseaux. Waouh, super! C'est génial! Alors, est-ce qu'on s'attaque à la décoration? Attention, sorcière un jour. Sorcière toujours! Zépité, on commence par ici. Magnifique, maintenant le mur de gauche. Génial! Et pour finir, vous êtes prête? Excellent, on se croirait à la maison. Un peu plus de poussière sur la cheminée. Radar! Hey, ce sont elles. Vite, notez les coordonnées. Oh, l'énergie statique! Arrêtez ça! Arrêtez-moi ça immédiatement, c'est un ordre! Tout le monde sur le lit et on ne bouge plus! Qu'est-ce qui se passe? Non, vous ne m'échapperez pas si vite! Non, je vous défends de disparaître comme ça! Ah, ça va, le danger est écarté. C'est vite dit, on voit que t'es pas à ma place. Qu'est-ce qui t'a pris de piquer une crise? Oh, mais la magie de haut calibre est très statique. C'est pas vrai, Desmond aurait pu nous retrouver. En deux temps et trois mouvements. Bon, à partir de maintenant, il va falloir être prudente, les filles. Mais j'arrive pas à mettre mes chaussures sans formule magique, moi. Je ne saurais ni me brosser les dents, ni faire une addition, ni laver mes chaussettes. T'as pas compris? On peut utiliser la magie pour la vaisselle, les courses. C'est les grands coups qu'on peut plus se permettre. D'accord, mais dans ce cas, elle devrait nous rendre sa baguette. Hé hey! Elle a raison, allez, donne-moi ta baguette. Mais je... Pas dire, Emilia, s'il te plaît. Vous verrez que vous allez le regretter.
J'ai toujours pensé que c'était un instrument bien trop puissant pour toi. Bon, c'est réglé. Et maintenant, allons nous assurer que les acolytes de ce cher Desmond ne rôdent pas aux alentours. Commençons par la piscine. On te suit. On va à la piscine. Je vais mettre mon maillot de bain. Non, tu rêves, ma fille. Il n'est pas question que tu franchisses cette porte. C'est vrai, si Desmond te trouvait, il pourrait nous transformer en graines de citrouille. Et surtout, ne fais confiance à personne. On croirait entendre la ligne de protection des sorcières déballer leur programme. Tu as tout compris, ma chérie. Tu restes là. Réveillez-vous, regardez, on va pouvoir s'emboucher un coin. De la bouffe, je suis partant. Super, ça tombe bien, je meurs de faim. Enfin, façon de parler. ça a l'air délectable. Délicieux. Dépêchez-vous, ou il va plus en rester. Oncle Bouffy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, il a raison, tu es rouge comme une tomate. J'ai attrapé un coup de soleil. N'en fais pas tout un plat, on te passera l'eau de Javel. Allez, à l'attaque. Oh, attendez, on n'a pas de serviette. Cher neveu de mon cœur, aurais-tu la gentillesse? Vous avez tout englouti. Non, on t'a laissé l'emballage. C'est toujours la même chose, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu insinues? Bien, chaque fois qu'il y a quelque chose, ça va, c'est pas grave. Cette fois, les gars, j'ai l'impression qu'on lui a fait de la peine. Pourquoi est-ce que je me laisse toujours faire? Et puis je déteste ces vacances, c'est pas amusant. Ce n'est pas juste. Tiens, attrape! Tu viens faire un tour? Josh! Chérie! Mais tu mets la main au rocher! Vas-y, je vais pas le faire casser! Josh, salut. T'as perdu, c'est trop tard. Zut, qui est l'imbécile qui m'a fait perdre? Oh, c'est toi, t'as de la monnaie? Non, je suis désolée. Pas de problème. Hé, vous n'avez pas le droit. Excuse-moi. Pour qui tu te prends? Dis, c'est pas gentil ce que t'as fait. Regarde comment je vais balayer ces domiciles. Ouais, vas-y, bousille, mon vieux. Josh, je cherche quelqu'un avec qui je pourrais discuter. Et votre laser, bande d'empotés? Si tu voulais bien m'écouter. Tu vois pas que je suis en train de battre un record? Allez, dégage. Vous êtes trop nuls. Bienvenue au club. Un fantôme? Je te défends de descendre de là. Non, attends, je vais pas te faire mal. Je te préviens, j'ai une baguette magique et je peux très bien m'en servir. Ah, une sorcière, une sorcière! Es-tu
Es-tu une vraie sorcière? Ouais, t'aimes pas les sorcières? Oh, c'est pas ça, mais je pensais pas qu'elle pouvait être aussi jolie. Je suis jolie? T'es un fantôme. On m'avait toujours dit que les fantômes étaient repoussants et méchants, et c'est faux. Oui, c'est souvent le cas. Enfin, je crois. Mais pas moi, au contraire. Je suis gentille. Mes tantes disent toujours, ne fais confiance qu'à ce que tu vois. Et alors tu me vois, et moi je te vois, c'est tout à fait bien. Je m'appelle Wendy. Et moi c'est Casper. Si on s'asseyait. Mais bien sûr, pas de problème. Est-ce que tu pourrais effrayer les gens avec tes super pouvoirs? Prépare-toi à connaître la terreur. Maintenant, est-ce que tu peux vraiment faire des tours de magie comme David Copperfield? Tu veux rire? Il n'arrive pas à la cheville. Regarde ça. Je vais te montrer un tour pas trop compliqué. D'accord. Super! Quand je pense à ce que mes oncles m'ont dit au sujet des sorcières. Tu veux dire que t'es pas tout seul? Non, mais en fait tout ce qui les amuse c'est de faire peur aux gens et de les embêter. Je sais de quoi tu parles, mes trois tantes me traitent comme si j'étais une moins que rien. On a beaucoup de choses en commun. Dis Wendy, si on allait s'amuser? Ouais, c'est pas très raisonnable mais... J'ai envie de rigoler! Ouais! Ça va.
va sans doute trouver ça un peu bête, mais je... Waouh ! Je pense que je passe la plus belle journée de ma vie. Moi aussi ! Enfin, de ma vie, c'est une façon de parler. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Je n'ai aucun ami, aucun, et ma famille entière me traite comme si j'étais une gourde. Je sais ce que tu ressens. Un beau jour, tu pointes ton nez et voilà que j'ai finalement l'impression d'exister. On m'a appris à haïr les fantômes. Je ne sais ce que je dois penser. Mais on est toujours amis, n'est-ce pas? Wendy, ami, ce n'est pas un mot assez fort pour décrire ce que je ressens. Mais tu sais, si mes tantes découvrent que je suis l'amie d'un fantôme, elles vont piquer une rage folle et je pourrai sans doute plus te revoir. Et mes oncles vont dire qu'un fantôme qui se respecte n'adresse jamais la parole à une sorcière pleine de verrues ou crochus. Oh, désolée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu sais, j'aurais presque envie de les présenter. Je suis certaine qu'ils s'entendraient. C'est ça, si tu veux que ça marche, on n'a plus qu'à trouver un moyen de transformer tes tantes en fantômes et mes oncles en êtres humains. Ça y est, j'ai la solution. Allez, viens. Hey, ça va bien, il est grand temps de vous dégourdir un peu les jambes. C'est parti, mes jolies. Et souvenez-vous, on compte sur vous pour nous mettre un peu d'ambiance. Attention, ça va déménager. Premier jeu, je vous préviens, je suis un champion. Il n'y a personne qui peut me battre, je suis le plus fort. Battre? Ça me ferait plaisir. Oh, le petit mignon! Est-ce que l'on pourrait avoir la même chose, s'il vous plaît? Je suis à vous dans une seconde. Autre chose, chérie? Oui, je voudrais le petit mignon. Pendant que vous y êtes, apportez-nous quelques pretzels sans sel. Non, attendez, en fait, je préférerais des cacahuètes. Par ici, non, finalement, c'est pour moi. Je vais te prendre des noix. J'ai très envie d'un massage. Mais non. Pourriez-vous régler le dossier? Mais qu'est-ce que vous attendez? Un massage ensuite? La sérienne, s'il vous plaît. Jacques, la dernière fois, voilà où est-ce que vous passez? Rien de presse, d'accord. Et pendant que vous y êtes, apportez-moi une bouteille de vernis à ongles et mettez-vous au travail. Je reviens tout de suite. D'accord. C'est pas terminé. Je prends les verres. Oui, par ici. Madame. Sucre d'orge, si on prenait rendez-vous. Hier matin à 25h30. Ouais. D'accord. Non. Je reviens. J'adore ça, quand ils font semblant de résister. J'ai gagné. La roche broie le papier. Non, la roche broie les ciseaux. Mais qui a changé les règles? Les règles n'ont pas changé, pauvre cornichon. De toute façon, le papier couvre la roche, c'est moi qui gagne. Qu'est-ce que vous fabriquez encore tous les deux? Lâche-moi. Je vous ai dit de surveiller le radar. Jules, écoute-moi. Il y a comme un léger bruit de fuite. C'est ça votre mission de surveillance? Ouais, on se méfie de Desmond. Wendy! Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, j'ai fait très attention. Il y a une chose dont je veux vous parler. Dis-moi ce qui peut bien être plus important que la sécurité de tes temps. Une soirée dansante. Fais voir. Super! Le monkey, la samba, farandole en diable. La danse des canards. Qui a parlé de confit de canard? Personne. Vous allez peut-être faire des rencontres? Oh, on s'y voit déjà! Mais sans notre chère Wendy. Toi, tu repars dans ta chambre au cas où Desmond pointerait son nez. Allez, allez, file! Attends, attends, laisse, je vais étudier ça. Va maintenant. Elle me tape sur les nerfs. Oh, hé, hey, fais attention. Ah, c'est toi, Minette. Ah, c'est toi, Minus. Attends! T'en fais pas, j'ai fait une croix sur ce qui s'est passé. Ah, tu es trop gentil. Si tu veux que je t'emmène danser, je te conseille de changer d'attitude. Quelle horreur! En plus, je suis déjà invitée, il est vraiment beau. Plus beau que moi? Oh oui, il est très pâle, sans cheveux, et il adore se balader dans les airs. Écoute, tu vas y aller avec moi, tu n'as rien à dire. Ça suffit, bats les pattes, ça, alors tes techniques de séduction sont franchement nulles. Je sais ce qui te ferait du bien. Oh,
Ça va, laisse-moi. Et dégage de la cafard avant que je m'énerve. Est-ce qu'elle est bonne, Joshi? Tu peux rire pour attendre, je me vengerai, tu verras. Allô, Carnac? Vous l'avez trouvé? Zut! Continuez les recherches. Allô, Samantha? Qu'est-ce que tu as pour moi? Ah, dommage. Oh, quelle peste! Mon cher Oracle, il est temps que tu te réveilles. Vous avez hurlé! Es-tu sûr que tu ignores où Wendy est cachée? C'est pas ma faute, ne vous emportez pas. Trouver des fillettes, je ne suis pas doué pour ça. Mais sachez que votre joli môme a rencontré un un gentil fantôme. Un gentil fantôme. Tiens, c'est très intéressant. Vous direz à la direction que les draps sont mal repassés. Il n'y a pas à dire, vous êtes très doué. Ah bon, tu es sérieux? Ouais. D'ailleurs, j'aimerais apprendre quelques tours. Casper, le gentil fantôme veut semer la terreur chez les charnus? C'est pas vrai, passez-moi! Vas-y, dis-nous ce qui te plairait, petit. Des cris d'horreur! Des dégoulinements d'ectoplasme? Ça au poil de chat? En fait, je suis fasciné par vos techniques de possession. Là, tu pouvais pas mieux tomber, Blanc-Bec, car on est des spécialistes. Et d'ailleurs, tous les trois, on détient le record de durée de possession des charnus! Oui, je sais bien. Excepté que... j'ai lu dans le nouveau livre mondial des records que quelqu'un d'autre occupait la première place. Qu'est-ce que tu dis? Mes frères, il va falloir reprendre notre titre. Justement, il y a un bal ici ce soir. Génial! Ouais! Mais il faut qu'on se trouve trois charnus à posséder. Allons-y, les gars! Question d'honneur! Faisons-nous une beauté et préparons-nous à passer une soirée de rêve tout à fait romantique. Oh ouais. Ces jolies poupées vont se mettre à fondre comme du chocolat dans la bouche, t'as pas raison? Oh bébé, ça va déménager. Oh mais, où est passé mon bronzage de salon, hein? Je suis blanc comme un drap. Rien à faire, c'est pas ma taille. Attention, le plan rouge. Mais... hé, hey, attendez, j'y vois rien. Mais bien sûr, je suis rentré à l'envers. Ouais. Alors, on y va. Casper, appuie sur le chronomètre. Bon, vous marquez. Ouais, super! Les filles, regardez-moi tous ces beaux, beaux garçons! Vous savez, je crois qu'on a bien mérité une soirée loin de nos balais et de nos chaudrons! Suivez-moi, les gars. Ah, je vais me mêler.
charnue. Et moi, j'ai vu qu'il y avait un buffet sans asthme. Ça vous apprendra. Tu es en retard. Vous m'avez enfermée. Une fenêtre de salle de bain, c'est plutôt étroit. J'ai pas ce problème, moi. Tu vas te faire repérer. Tout va comme prévu. On est dans les temps. Quelle ambiance, quelle cuisine, quelle charmante compagnie. Excusez-moi. Qu'est-ce qui sent comme ça? C'est moi. Je sens bon le parfum. Il faut que je me débarrasse de cette odeur. C'est dégoûtant. Désolé très cher, la moutarde m'est montée au nez. Lui, il dit, comment ça les pingouins ne volent pas? Et tout d'un coup, il se met à brailler comme une baleine et il dit... m'enlevez pas ça, on sait jamais ce qui pourrait se passer, on va peut-être manquer de nourriture. Ce serait vraiment horrible. Allons, mon grand, tu es tout seul. Et nous, on est trois. T'as l'embarras du choix, allez, décide-toi. Il faut que je m'en aille, j'ai des bestioles à examiner. Attends, je vais nous rappeler. Téléphone, vous allez, c'est sa phase. On la garde. Et maintenant, c'est la phase 2. Oh, pardon. Excusez-moi, on réduit la vitesse. Attention derrière. J'aime mieux ça. C'est peut-être le corps qui parle, mais ces poulettes ont l'air tout à fait à point. Oh, je partage cette émotion. J'ai fait mal. Voulez-vous danser, madame? Dégage, Minus, ne vois-tu pas que de vrais hommes s'en viennent? Houba, houba. Salut, ma beauté. Oh, vous êtes si délicate, si fragile. Oh, vous êtes tout à fait délicieux. Je n'ai jamais rencontré personne qui dégage une telle odeur enivrante. Oh, quelle mauvaise haleine, ouais. Oh, chère, si on dansait. Oh. Regarde, Casper, ils ont l'air de s'entendre. On a fait du bon travail. Viens, suis-moi, Wendy. Tiens, la voilà. Je veux rencontrer l'être rare qui m'a remplacé. C'est vrai.
Wow, Casper, qu'est-ce qui se passe? Rien, là. Je voulais te demander si... m'accorderais-tu cette danse? Tu m'invites? Tu en es sûre? Maintenant? Sur la terrasse? Non. Je t'emmène là-bas. Oh, super! Attends une seconde, je vais me changer. Wow, tu es vraiment magnifique. Wow! N'aie pas peur. Bond. James Bond. Quelle élégance, tu m'impressionnes. Si on dansait? Et si tu veux, ça va peut-être te faire tout drôle. Je ne suis pas très bon danseur, surtout quand quelqu'un me regarde. J'ai une idée. Voilà, c'est mieux. Tu danses bien. Merci. En tout cas, je te marcherai pas sur les pieds. Alors, tu préfères danser toute seule qu'avec moi, hein? Qui c'est, lui? Oh, c'est personne d'important. À l'entendre, ça avait l'air important. Un mini beignet. Je peux pas vous dire non. Je suis fascinée par votre arôme. C'est juste un mélange de mes potions. Lotion. Bouquet de fleurs pourries. Jus de camembert et... salive d'araignée. Oh, un connaisseur. Les filles, vous voyez qu'avec vous... j'ai pas peur de mouiller. Qu'est-ce que le pigeon dit à la statue? Il dit quoi? Pardonne-moi, mais est-ce que vous auriez du papier de toilette? Je n'avais jamais vu comme ça. Hey, qui aurait cru qu'on rigole aussi bien avec les charniers? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Une vieille blessure qui se réveille. C'est la musique. Ouais, c'est plus fort que nous. On a le rythme dans la peau. Je vois ça. Allez, viens en piste. Attention. Voilà mon copain. Sur les pieds! D'accord, je me bouge! Mais qu'est-ce que c'est que ces pas? Il s'est remué, ce garçon! Oh non, Casper, j'ai peur.
rigolade soit terminée. Ouais, ça m'en a tout l'air. Ça fait des siècles qu'on ne s'était pas autant amusés. Des années, des semaines. Excusez-nous, mes jolies. Je crois qu'on a enfin trouvé pointure à nos pieds. Il y a certainement du mariage dans l'air. Ne vous en allez pas, la soirée dansante va continuer tout de suite après la pause publicitaire. Coucou, on est là. Hey, vous êtes sûr que ça va? Quel chasseur! Il va nettoyer les oreilles. Salut les filles. Ah, les fantômes! Les sorcières! Attendez, on va vous expliquer. Oui, voilà, Casper et moi, on a eu une idée. Avant d'entrer dans les détails, peux-tu me dire ce que tu faisais avec cette espèce de rouleau de papier de toilette ambulant? Et toi, Casper, éloigne-toi d'elle avant qu'elle te refile ses virus. On est amis. Non, non, c'est interdit de fréquenter ce petit tas de crème fouettée. Mieux vaut de la crème fouettée que de la vase puante. Allez secouer vos chairs. Allez remuer vos potions. Pas les pattes, espèce de gros tas de meringues. Là, ça suffit. On va vous faire peur à vous en faire avaler vos balais. Au nom du plus grand, du plus fort de tous les sorciers Nogamo, j'ordonne que ces trois esprits soient transformés en bactéries. Des bactéries? Attendez une seconde. Hein? Vous auriez le culot de... Au revoir. Vite les gars, fichez ah vous. C'est quoi cette formule? C'était du bluff. Oh. Et toi, dis-nous ce qui t'a pris, enfin. Ne sais-tu pas que les fantômes sont nos ennemis jurés? Mais Casper est différent, il... Écoutez les filles, c'est dommage, mais je crois qu'on n'a plus qu'à aller faire nos bagages. Non, je reste ici, je suis vraiment, vraiment désolée. Je vais trouver Casper, vous verrez, ça va s'arranger. Oublie ça, jeune fille, je te prie de rentrer dans ta chambre immédiatement. Hé, hey Casper, promets-moi que tu seras ici dans 5 minutes. Bien reçu. Yeah. Oh, tous ces microbes, j'arrive pas à le croire, j'ai réussi à toucher une sorcière. Mais moi alors, j'ai mangé des beignets avec elle. Oh, je crois que je vais avoir une indigestion ectoplasmique. Désolé, les vacances sont terminées. Si on ne veut pas perdre la face devant ces sorcières, il va falloir leur flanquer la trouille de leur vie. Now! Doucement, c'est fragile de la poterie. Bon, je vais me faire un peu plus discret. Mince, on n'a pas raté notre coup. Ouais, on s'est surpassé. Rien ne devra nous séparer, Casper. Mais mes oncles ne veulent plus que je t'approche. Il paraît que vous pratiquez de la magie qui tue. On pourrait, oui, c'est vrai, mais là, c'est interdit. Et pourquoi? Entendu, je vais te le dire. Mais tu me promets que tu garderas le secret, d'accord? Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Regarde, sur Internet, j'ai trouvé la liste des 100 plus grands sorciers. Tout en haut de la liste apparaît ce dangereux coco Desmond Spellman. Il est super puissant et il en a après moi. Mais pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais si mes tantes ou moi utilisons nos pouvoirs, il va nous trouver et nous détruire, c'est certain. Non, vous détruire? Mais comment? Il a trouvé le seul moyen, à part faire tomber un avion sur nos têtes. Voici les abîmes de l'enfer. Quiconque y pénètre va y errer pour l'éternité. Non, il peut pas faire ça! Oh, cache-toi! Mes enfants, on remballe, c'est terminé. Gontran, du calme! Wouf, wouf! Très bien! Et c'est pour ça que mes tantes ne sont pas en mesure de se défendre.
Wow, ça doit être dur. Parle à tes oncles, il faut que tu les empêches de nous embêter. Comme ça, je pourrais rester, je t'en prie. Je veux bien essayer, mais tu sais, ils ne m'écoutent pas beaucoup. Casper, c'est une question de vie ou de mort, je t'en supplie. D'accord, d'accord, Wendy, t'en fais pas. Je vais tout arranger. Et n'oublie pas, tu ne leur dis rien à propos de la magie, hein. Promis, tu as ma parole. J'ai besoin de repos, moi. Tous les trois, écoutez-moi, j'ai deux mots à vous dire. Tiens, 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 voilà la feutre. Ouais, fiche le camp, espèce de sac gonflable. Un peu plus si on se faisait tuer encore une fois. Vous sautez un peu vite aux conclusions. Ça sent le soufre, Nimbus, on t'a pas dit que les sorcières étaient dangereuses. C'est pour ça qu'il va falloir passer à l'attaque sans tarder. Attendez, j'ai pas terminé, j'ai mon mot à dire dans cette famille. Et je vous défends de toucher à ces sorcières. D'accord. Non mais pour qui est-ce que tu te prends? De quoi tu te mêles, vermisseau? On va leur montrer de quel bois on te chauffe. Hey, c'est pas trop mon genre de me dégonfler. Allons-y, t'as raison. Maintenant! Attendez, vous pouvez pas. Mais écoutez-moi. Pourquoi veux-tu les protéger à tout prix? Réponds. Parce qu'elles ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Elles sont sans pouvoir. Donc les sorcières sont hors d'état de nuire. Mes enfants, on va aller se payer une jolie petite revanche pour la gloire. Pour l'honneur. Pourcentage de matière grasse. Non, arrêtez. J'ai promis de ne rien vous... Attendez, je vais vous expliquer. Mince, il est peut-être malade, pauvre petit. Il avait l'air tout secoué. Belle aux pieds puants. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est simple, mes jolies amygdales. Ici, c'est notre centre de villégiature personnelle. Ou bien dit de manière plus poétique, du balai. Oui, c'est vrai, ça. Y a pas assez de place pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, y a déjà pas assez de place pour moi. Vous voulez rire? Je vous préviens, vous feriez mieux de partir avant qu'on se décide à vous transformer en couche jetable. Ce serait pas de refus, mais on sait que vous avez des petits ennuis avec vos pouvoirs magiques. Quoi? Oh, mais alors, c'est Casper qui vous l'a dit? Ouais, mettez ça dans votre chaudron et avalez. Et maintenant, c'est à notre tour de vous ficher la frousse. Oui, on va se marrer. Ça y est, on a un bip. Je t'ai trouvé, pauvre petite jeteuse de sort. Et je vais me faire une joie de te détruire. Une chose est sûre, attention, ça va te dégager. Moi, réduit à néant par une sorcière en culotte courte. Ça m'étonnerait bien. Tu n'es pas au bout de tes étonnements, pauvre prestigitateur pompeux. Maintenant, sortez vos grosses fesses de revenant d'ici, c'est compris? Je suis en train de crier, on tient mort. T'as entendu? Allons voir ce qui se passe. Wendy, notre héroïne. C'est normal.
Personne n'embête ma famille. Enfin, à part moi. Oh, toi, amenez-vous, on va fêter ça. Bravo, mon petit chaperon. Tu leur as réglé leur sort de façon horriblement magistrale. Oh, vive Wendy! Vive Wendy! Excusez-moi, je suis très flattée, mais il y a quelque chose d'important. Je t'en prie, ne dis rien. Pas de mauvaises nouvelles ce soir, c'est ta fête, ma chérie. Mais si, je vous ai sauvée, mais... J'ai utilisé ma baguette. Oh. Et Desmond est peut-être en chemin avec ses hommes. Oh, cet enfant, qu'est-ce qu'elle est nulle. Venez, dépêchons-nous, allons faire les bagages. C'est ni un fruit, ni un légume. La tomate est une baie, voyons. Ouais, et ton père, c'est E.T. Et toi, t'es pas né sur cette planète. Oh, toi, si tu préfères croupir dans l'ignorance. La ferme, bande de gugus. Une fois le travail fini, j'ai bien envie de vous transformer en épouvantail. Wendy, Wendy, mes oncles seront bientôt Merci, là. Merci, mon vieux, ils nous ont déjà payé une petite visite. Oh non. Oh que si. Et comment ont-ils su que mes tantes étaient sans défense, Wendy, écoute. Quand j'y pense, et toi qui parlais d'amitié, tu m'avais fait une promesse. Et voilà que tu trahis mon secret. Tu m'as trahi. Tu n'es plus mon amie. Mais si je t'en prie, Wendy, laisse-moi t'expliquer. Non, c'est fini, je veux plus jamais te revoir. Maintenant, débarrasse-moi le plancher ou bien je te change en nouille. Wendy, j'ai... Non, va-t'en, va-t'en, c'est tout. Oh, regarde ça, ça... Ah tiens, il est là, lui. Regardez ça, oh, c'est génial. Wendy ne m'a jamais laissé jouer avec sa baguette. Elle doit l'aimer bien plus que moi. Mais il n'a pas intérêt à refaire surface. Je vais lui faire sa fête, moi. En attendant, c'est nous qui essuyons les plâtres. Tu vas nous le payer, la veille. Tu nous as entraînés dans un piège. Ces poupées mal peignées nous ont couverts de honte. J'ai fichu une belle pagaille. Oh non, je t'en prie, épargne-nous tes regrets. Je parlais des sorcières. Un sorcier redoutable les recherche. Elles doivent fuir, elles sont en danger. Leur vie est en jeu, il faut absolument les aider. Ouais, nous, aider des sorcières. Pas question. Pas un geste. Pas de chien, pas de pourboire, pas de cigarette. Tous les trois, vous adorez vous faire passer pour une bande de brutes bêtes et méchantes. Pourtant, ce soir, vous avez fait une chose que je suis pas prêt de vous laisser oublier. Vous avez été très gentil avec ces sorcières. Mais qu'est-ce que t'as cru? On faisait juste semblant, voyons. Elles sont là, la chasse va commencer. Allez, dépêche-toi, on a un bout de ciel à faire. Je sais pas où est ma baguette, j'étais certaine de l'avoir posée. Ça suffit, d'ailleurs, regarde où elle nous a amené ta baguette. Mais allez, prends ton sac, trouve. On y va. Attends, non, j'ai baguette, déjà assez plus attendu. Aucun pouvoir non, et je... mais ça suffit, mais... on s'en va. Mais vous êtes prête à décoller? Non, je t'en Tiens, supplie. Toi, prends ton balai et plus un mot. Essayons là-bas, enfin. Oui, il nous en reste juste deux. Tu l'as acheté, cette télé? Ils approchent. Oh, envolons-nous par la fenêtre. Arrête, il n'en est pas question, ils nous verraient partir. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, je sais. Mais pourquoi veux-tu que je regarde la télé? Et pour les images. Moi, j'ai déjà trop d'images dans ma tête, moi. Et tiens, et regardez où vous allez, hein. Savez-vous s'il y a des sorcières par ici? Non, non, habla francés. Femme de chambre. Dites, est-ce qu'ils nous allez, suivent? Allez, viens. Non, on l'a échappé belle. Oui. Ils sont partis par là. Je vous remercie. Mais...
Attendez une minute, les filles. Vite, reprenons notre apparence. D'accord. Un, deux, trois. Il n'y a plus une seconde à perdre. Allez. Tiens, vous nous quittez déjà. Asseyez-vous. Ouais. C'est toi la petite peste de Wendy, hein? Oui, et vous, vous êtes le cinglé qui veut m'attraper. Qu'est-ce que vous voulez, mon argent de poche? Vois-tu, ma chère enfant, d'après l'oracle, la seule sorcière qui soit en mesure de me remplacer, c'est toi. Elle? C'est ce que j'ai répondu. Mais d'un autre côté, l'oracle ne peut avoir tort. N'est-ce pas? Non, maître, je suis infaillible. J'ai eu diablement du mal à vous trouver. Vous avez avalé vos baguettes magiques ou quoi? Ça m'a intrigué. Oh, c'était dur, on s'y est fait, pas de sort entre les repas. Je t'en prie, arrête, c'est pas ces oignons. Aucune importance. Vous êtes à un poil de disparaître. Ça me fait penser. Suis-je bien coiffé? Chacun de vos cheveux est en place. Tu me rassures. Pourquoi gardez-vous mes tantes? Elles n'ont pourtant rien fait de mal. Si je me débarrasse de toi, je ne veux pas avoir affaire à des membres de ta famille qui vont me poursuivre de leur vengeance. Ne perdons pas de temps. Ne crie pas avec toi, pauvre cruche. Pauvre cruche? Jasper, on est pris. Oui, oui. Laissez-moi. C'est vrai, l'oracle avait mentionné un fantôme, mais je ne savais pas qu'il parlait de ce petit drap de lit. Laissez Wendy en paix. Un fantôme qui défend une sorcière. Là, je crois que j'aurais tout vu dans ma carrière. On lui fait mal, mais arrêtez! Oh, mais je suis tout à fait dégoûté. Si j'avais encore ma baguette, je vous ferais ravaler votre dentier et votre sourire. Je sais. Dommage, n'est-ce pas? Non, ça va finir par devenir monotone, son truc. Oh, la baguette de Wendy. Sans ton joujou, tu feras moins la fière, mademoiselle. Je suis trop bien pour toi. Normalement, c'est tout à fait contre mes principes de faire peur aux charnis. Mais c'est une situation d'urgence. Bon, une bonne chose de régler. Depuis les tours de Kukaluma jusqu'aux rives du fleuve Xanadin, j'en appelle aux forces obscures du Yoda, 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 par le pouvoir qui est le mien, etc., etc. Ouvrez les portes de l'épouvante. Lorsqu'une victime y pénètre, elle n'en ressort pas vivante, c'est pratique. Hein? Ah! Wendy!
Attrapez-moi ce nimbus! Non! Je te préviens, tu commences à m'énerver! Non! Ah, ça y est, je l'ai! Oh. Casper, viens me chercher! Vite! C'est ça que tu cherches? C'était pas mal, mais tu es loin d'être aussi puissante que moi. Terminé. Restez là. Wendy, j'arrive. Maintenant, je vais vous transformer en fertilisant. Non! Non! Pitié! Non! Non! Maudite petite sorcière! Non! Ah non! Non! Wendy est toujours dans le gouffre! Où est avec Casper? Accroche-toi, Wendy! On retient la porte, occupez-vous des petits! Oui!
ça va? Gaspard, Gaspard, ça va, mon petit blanc-bec? Wendy, je t'en prie, réponds. Tu vas t'en sortir. Wendy, chérie. Ça va aller si vous me prenez dans vos bras. Oh, Wendy. Je vous aime. Est-ce que ça va? Oh, quelle aventure! Merci, vous ne m'avez pas laissé tomber. Et tu ne pensais tout de même pas qu'on allait te laisser t'amuser tout seul? Dis, t'as pas un petit creux, toi? Oui, je suis prêt à engloutir une douzaine de croissants. Sais-tu comment on appelle le pain doré à Paris? Baguette? Non, ils appellent ça du pain perdu. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'ils utilisent du pain de la veille. Vois-tu, le pain rassis absorbe mieux le battu. Mes sœurs Wendy et moi, vous disons terci, merci, persi, kersi. Mes sœurs Wendy et moi tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Bon, d'accord, mais il faudrait pas que ça devienne une habitude. Je sais, j'ai pas terminé. Et je voulais ajouter qu'on n'était pas mécontents de vous avoir rencontré les failles. Les filles. C'est gentil. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Fin du premier chapitre. Desmond est hors jeu et Wendy a repris son titre. Wendy? Elle, la plus grande des sorcières? Car à l'impossible, elle est parvenue. L'amie d'un fantôme, elle est devenue. Wendy est la plus grande, soyez-en assurés. Un jour, elle sera reine et il vous faudra la respecter. Ouais. Vive Wendy. Entre nous, ça faisait longtemps qu'on savait. Wendy, notre petite reine. Allez les filles, il faut se mettre en route. Allons taquiner le petit livreur, il m'a beaucoup manqué. Non, désolée. C'est fini ce genre de plaisanterie. Toutes mes excuses, Wendy. À vos balais, prête. Wendy, attends. Bon, alors tu t'en vas, comme nous. Il est temps de se dire au revoir. Oui, tu as raison. Écoute, je voulais juste te dire, tu vas beaucoup me manquer. Tu verras, la semaine prochaine, tu sauveras une autre jeune fille des griffes d'un horrible sorcier et tu m'oublieras. Toi et moi, on a vraiment fait bouger les choses. On peut être fiers de nous. À partir de maintenant, les gens nous traiteront différemment. Oui, peut-être. Hein? Tu verras, ça va venir. Allons-y. À la prochaine. Au revoir, Casper. 1, 2, 3, on y va. Non, non, non. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Vous devez tenir la barre droite, sinon les jambes vont être coincées. Et employez vos méninges. Quand je l'entends, tu sais, Desmond commence à me manquer. Ouais, faut gagner sa vie. Ouais. Finalement, ça me plaît de faire toutes les corvées de Casper. C'est super. C'est très salutaire. On a vécu une nuit d'enfer. Fini les vacances, finalement. Tout le monde a été très gentil.